des gants, des écharpes, des promos sur les paquets de mouchoirs, des reines qui chantent pour CanalSat. Mais oui, l'hiver arrive. Enfin, il arrive doucement quand même. Comparé à l'année dernière à la même époque, où c'était des scénarios de fin du monde dans les rues. Importance, regardez là au lever du jour, de l'Atlantique au nord-est, avec dans le nord-est de la neige jusqu'en plaine, et ça pourra tenir sur... Lanti, et puis juste à côté, hein, c'est le périphérique extérieur, vous allez le voir, eh bien, il est quasiment à l'arrêt. Alors que globalement, là, ça va au niveau de température. Ah, l'hiver, ça nous inspire tous quelque chose cette saison. D'ailleurs, en grandissant, ça nous inspire plus les mêmes choses. Salut! Quand t'es gamin, c'est la neige, les vacances, Noël, les cadeaux du Père Noël, les cousins, cousines, les grands-parents que tu vas retrouver, le sapin avec toutes ses décorations. Quand tu grandis, c'est à peu près la même chose, mais c'est moins magique en fait. Tu penses plus au côté technique. Le givre que tu vas devoir gratter tous les matins sur ton pare-brise. Les chaînes que tu vas devoir mettre sur tes roues parce qu'il a neigé. Et en même temps, tu vas devoir déblayer aussi toute cette neige qui s'est amassée devant chez toi. Tu vas devoir budgéter ton sapin de Noël dans plusieurs dizaines d'euros qui va relativement durer un mois. Parce qu'au bout d'un mois, bah, y a plus l'aiguille. Réfléchir à ce que tu vas préparer pour le réveillon de Noël et quel cadeau acheter à toute la famille. Les factures que tu vas recevoir liées au chauffage, l'électricité, et tous les médocs que tu vas acheter pour éviter d'attraper un rhume ou autre maladie qui te ferait imaginer que tu es en phase finale. Surtout les mecs. Oh mon dieu! C'est quoi ça? C'est bon, je suis sûr que j'ai un cancer du nez. Mais bon, heureusement, on a toujours des vêtements pour nous tenir chaud. Alors quand on est grand, on peut choisir ce qu'on met. Et les filles, toujours dans l'élégance. Normal, j'ai envie de dire. Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Plutôt frais. Température légèrement au-dessus de zéro. Je te conseille de mettre ton top un peu cintré bleu pétrole, ton long gilet gris, ton short en jean avec une paire de collants, et puis tes boots bleu canard, tu seras au top. Ok. Alors que quand t'es gamin... D'accord, la mode, tu t'en fous un peu. Mais bon, c'est tes parents qui t'habillent. Mais en hiver, tu ressembles à rien. T'as une cagoule qui gratte, des moufles qui sont reliées par une ficelle par l'intérieur de la doudoune pour éviter de les perdre, des bottes ou des bonnes chaussures et, attention, un pantalon en velours. Que c'est beau! Un vrai petit bibin d'homme. À côté de chez moi, il y a deux voisins qui se livrent une guerre sans merci sur celui qui aura sa maison la plus décorée. Je suis sûr que vous en connaissez un, vous aussi, dans votre quartier. Tous les ans, il rajoute des décos suivant ce que l'autre en a rajouté. Alors chez l'un, c'est le village du Père Noël, avec tout ce qui va avec, hein, les musiques, la fausse neige, et tout ça, enfin tout. Et chez l'autre, c'est un petit peu Disney en fait, parce qu'il y a des personnages Disney. Blanche-Neige, Pampan... Non mais sinon, le stock de guirlandes électriques, chez l'un comme chez l'autre, est assez impressionnant. Bon allez, il est temps d'installer tout ça. Mais il a déjà commencé lui. Tiens, tiens. Mais il en a rajouté, sur le balcon là. On dirait bien une guirlande 380 LED. Il y a même un programmeur automatique. Ça ne se passera pas comme ça. Puisque c'est la guerre qui veut, il l'aura. C'est moi qui vais gagner le concours cette année. Non, mais ça fait une attraction dans la ville. Ils sont connus maintenant. Hein. Si vous aussi vous trouvez que l'hiver c'est chouette pour une raison particulière, venez le dire sur ma page Facebook. Pinouguillou. Même si vous n'aimez pas l'hiver, hein, vous pouvez venir aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page YouTube. Ah oui, j'oubliais. Pour tous les petits lurons qui me trouvent laid, moche, qui n'ont pas des commentaires très constructifs, j'ai envie de dire.
Eh bien, va falloir vous y faire, ma tête, parce que je compte pas vraiment la changer. Sur ce, ciao.